Bienvenue dans l'invité de TV5 Monde, et le Festival de Cannes a rendu hommage cette année à un très grand film, Rue Cazenègre, à sa réalisatrice Ozane Palsy qui est avec nous. Bonjour Ozane Palsy. Bonjour. Merci d'être là à Cannes dans ce décor sur la Croisette, parce que la Croisette a rendu hommage presque 30 ans après à votre film qui a été un événement. On va évidemment parler de Rue Cazenègre et raconter l'incroyable aventure que ça a été, et c'est Aimé Césaire qui a été à l'origine de cette histoire. Ah ben disons que c'est vrai que Césaire m'a apporté énormément de choses, beaucoup de nourriture spirituelle, humaine, je dirais, et que grâce à Césaire, qui était mon père spirituel, j'ai décidé de faire du cinéma et un certain type de cinéma. Donc, s'il n'avait pas existé dans ma vie, peut-être que je ne serais peut-être pas cinéaste, peut-être que je n'aurais pas fait ce type de film. Ouais. Bon, en 1983, Rue Cazenègre sort, mais ça a été le résultat d'une bataille. Ce film a été très dur à réaliser, en fait. Parce que c'était le premier film du genre, certainement. J'étais jeune, j'étais femme et noire, il faut le dire, hein, ben voilà, c'est vrai. C'est trop de handicap, ce que moi, pour pouvoir me permettre de faire ce film, des handicaps que j'ai décidé d'en faire des atouts, justement, et pour faire ce film. Et ça a été le parcours du combattant, c'est vrai. J'ai mis plus de 2-3 ans à monter ce film. Et grâce à des gens, déjà Césaire qui m'a permis de boucler le budget du film, grâce à François Truffaut qui est C'est ça aussi, parce que François Truffaut entre dans l'aventure. Il vous soutient, vous, la cinéaste antillaise passionnée qui avait envie de réaliser ce film. Alors, il va me donner en fait mon équipe technique, il va me monter mon équipe technique de toutes pièces, me donner des conseils aussi au niveau de l'écriture de scénario, les choses qui n'allaient pas, etc. Et Truffaut, c'était un de mes maîtres à penser en matière de cinéma, aux côtés de Costa Gavras, de Hitchcock et de d'autres. Ouais. Bon, et de film, Sam Ben Ousmane ouais. aussi. Et ce film, Ozane Palsy, va devenir un classique. Regardez un extrait. Ozane Palsy, quand on revoit ces images, Rue Cazenègre, donc presque 30 ans après, qu'est-ce qui fait que ce film reste encore un classique aujourd'hui ? Je pense que c'est dû au fait que ce soit un film qui parle de valeurs universelles. Et puis il y a une sincérité de jeu au niveau des ce que j'appelle des comédiens qui n'étaient pas en fait des comédiens professionnels, à l'exception de deux personnes, la grand-mère Darling Legitimus et le vieil homme Médouze, Doutasek. Alors c'est vrai qu'on parle d'amour, on parle de lutte. Oui, on parle de lutte sociale aussi, évidemment de colonialisme, on parle d'identité, la bonne identité. C'est très exact. Et quand on parle de choses universelles, ben, ça ne se démode pas. Voilà. Ouais. Ce film raconte une histoire des Antilles, une histoire de la Martinique, du colonialisme finissant quelque part, de cette envie de liberté du peuple. Et tout cela à travers l'histoire d'une grand-mère et de son petit-fils, cette grand-mère qui travaille dans les champs de Cannes et qui va justement, toute vieille comme elle a 76 ans, quand son petit-fils il obtient donc cette bourse d'études pour aller à Fort-de-France, la capitale, poursuivre ses études, elle va abandonner les champs de Cannes. Et ce personnage, cette femme, c'est comme la mère courage de Brecht qui va dire, voilà, ils ne savent pas quelle femme de combat je suis, et bien j'irai à Fort-de-France et tu iras dans leur école. Voilà, donc c'est une grande histoire d'amour et le combat d'une femme, d'une vieille dame, d'une vieille négresse, comme je dis, pour justement l'éducation, pour la culture. Ouais. Mais ce combat de cette vieille négresse dont vous parlez, Ozane Palsy, quand on l'a vu encore il y a quelques années, on a parlé de l'héritage positif du colonialisme. Il y a encore des combats à mener.
Ben oui, la c'est négritude vrai que... dont parlait Césaire, finalement. Oui, alors quand on parle de l'héritage positif du colonialisme, c'est une honte, je le dirais, parce que bon, on ne devrait pas le présenter comme ça. Quand on parle de colonialisme, il ne peut pas y avoir de choses positives. Voilà. Oui, la négritude, c'est exact. Césaire en a parlé aussi énormément. Il a fait son cheval de bataille. Et quand il parle de négritude, il se bat non seulement pour les nègres, entre guillemets, tous les nègres du monde, mais il se bat aussi. D'ailleurs, négritude, il faut voir tous les opprimés de la terre, tous ceux qui sont les rejetés, les opprimés. Tout ça au-delà, évidemment. Au-delà. Oui. C'est un mot qui est très vaste, qui est très fort, justement. Oui. Et ça va rencontrer un écho extraordinaire à Hollywood, aux États-Unis. C'est Robert Redford qui va adorer votre film, qui va avoir envie de vous soutenir. Marlon Brando qui va jouer dans un film, Une saison blanche et sèche. Vous allez avoir ce parcours à la suite de Rue Cazenègre. C'est-à-dire, il y a une sorte d'universalisme qui va se créer, une rencontre au-delà des mers. Oui, j'arrive à Sundance avec Robert Redford, qui me garde pendant un mois et qui va me mettre dans l'avion. Parce qu'il savait que la Warner voulait absolument travailler avec moi. Donc, et c'est ainsi que je vais développer pendant 3 ans avec la Warner A Dry White Season, une saison blanche et sèche, qui est une adaptation du célèbre roman d'André Brink, le Sud-Africain. C'est un film qui parle de l'apartheid. Et donc, on développe pendant 3 ans ce film. Le film de Richard Attenborough arrive, Cry Freedom, le cri de la liberté. La Warner décide que un film sur l'apartheid, c'est déjà... Deux films, c'est trop. Donc, ils mettent mon projet dans un placard. Et je réussis à leur arracher le projet et je le propose à la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, qui va accepter de faire le film. Et c'est là que Brando arrive et il dit oui. Marlon Brando lui-même, l'immense Marlon Brando. Il dit oui à ce film et il le fait gratuitement. C'est extraordinaire. Et vous allez, comme un retour des choses, faire ensuite un documentaire sur Aimé Césaire. Parce que là, on lui a rendu hommage, un hommage national ô combien mérité. J'ai envie qu'on dise quelques mots de lui, parce qu'il y a cette conscience, il y a cette puissance, il y a ce regard, finalement, qui va au-delà de tout, au-delà du cinéma, et qui fait que vous êtes là, vous, Ozane Palsy, au 64e Festival International du Film de Cannes. C'est exact. Aimé Césaire, je regrette que tout cela ne lui soit attribué qu'à sa mort. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes parce que j'ai réalisé le film Hommage de 7 minutes qui a lancé justement cette cérémonie en présence du président. Et ceux qui ont vu ces images et ceux qui ont, ils ont commencé à découvrir Césaire et ils regrettent une chose, une grande chose, c'est qu'ils n'aient pas eu accès à Césaire justement avant sa mort parce que l'homme était extrêmement universel. Il était donc très accessible également. C'était un homme magnifique. Merci. Voilà. Merci, Ozane Palsy. Nous étions ici, donc, à Cannes, sur la Croisette, tout simplement, pour célébrer presque 30 ans après Rue Cazenègre, votre chef-d'œuvre. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.